vous allez bien? Donc aujourd'hui, petit vlog, retour de course improvisé. J'arrive plus à parler, ça commence bien. Je viens tout juste de rentrer des courses, donc aujourd'hui je suis en repos et je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo vite fait. C'était pas prévu, pas du tout. Donc on est jeudi 30, il me semble, septembre, donc fin du mois quoi. Oui, c'est ça, fin du mois. J'ai bugué. il est presque 11h, donc je suis levée depuis très très tôt. Donc là, j'ai été faire des courses chez Aldi. Vraiment des choses qui me fallaient et des petites nouveautés que j'ai trouvées. Donc là, je vais vous montrer directement. J'ai tout déballé. Je le fais sous forme de vlog pour un peu changer parce que j'ai pas envie de vous faire que des retours de courses parce que honnêtement. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis plus du tout très assidue en termes de vidéos. J'ai du mal en fait à trouver mon rythme avec le boulot et tout ça. Et puis même, je ne sais plus trop quoi vous faire comme vidéo parce que voilà, le maquillage, c'est plus trop mon truc. Enfin, j'aime bien, mais voilà, pas à outrance comme avant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo quand même. Je sais bien que les morning routines ou les night routines m'ont été demandées. Mais pareil, j'ai pas de morning routine à proprement parler ou même de night routine. Non, alors peut-être parler des crèmes que j'utilise ou quoi. Peut-être, oui, évidemment, éventuellement. N'hésitez pas à me dire. Enfin bref, faites pas attention à ma tête, j'ai un chignon sur la tête, j'ai les cheveux qui partent en vrac parce que j'ai mis de l'huile sur mes cheveux, enfin je fais un bain d'huile. Et oui, je sors comme ça avec de l'huile sur mes cheveux, je m'en bats les... Voilà, pour essayer de poli. Et pareil sur mon visage, pour le moment mes taches commencent un peu à disparaître. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que le froid est en train d'arriver, parce que oui, ici en Belgique, depuis 2-3 jours, on se pèle, mais quelque chose de rare. Hein. Donc d'ailleurs, on a ressorti les pulls, on adore. Bref, donc ici, je vais vous montrer directement, parce que j'ai quand même surgelé, donc je vais retourner la caméra. En termes de surgelé, j'ai repris en fait les petites viennoiseries comme ça. Donc en fait, il y a un mélange, il y a des pains au chocolat, il y a des croissants et alors des petites chouquettes. Comme ça avec des raisins, donc ça ce sera congèle d'ailleurs que je vais taper hop, là. Ensuite j'ai pris donc les fameuses glaces, celles que je vous avais parlé la fois passée, donc celle-ci c'est chocolat blanc et framboise. Il y en a 4 à l'intérieur, je ne sais pas du tout ce que ça vaut et j'ai repris mes préférées. Celle-là c'est une tuerie, chocolat noir, caramel salé, ma vie. Il n'y avait pas ceux au spéculoos que je voulais goûter, dommage, donc tant pis. J'ai repris des brocolis à la crème. Franchement, ça, pépite. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment pépite. Je vais taper ça au congèle. Et puis, ah oui, attendez. Ça aussi, c'est au congèle. J'ai repris ça. Ce sont des lumpia. Enfin, des rouleaux de printemps aux légumes. Mais, des lumpia, quoi, on s'en fout. Donc, moi, je prends ceux aux légumes. Je n'aime pas ceux au jambon. Enfin, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, j'ai repris ceux-là. Ce sont des grandes moi je les fais au four parce que je n'ai pas de friteuse et je n'en veux pas tout simplement, donc moi je les fais au four, donc je vais taper ça au congèle et puis je reviens. Ensuite j'ai repris chips Grills, mon préféré, je pense que vous l'avez compris ça hein. Ensuite pour demain parce que je fais le tard au boulot, j'ai pris ces petites salades là. Alors oui je sais je peux les faire moi-même, je sais, mais flemme, clairement flemme. C'est juste pour demain. Donc j'ai pris une petite salade comme ça. Donc farfarelle, poulet, légumes et pesto rouge. Franchement elles sont très très bien et elles passent bien. Et elles sont pas très chères donc écoutez ça fera l'affaire. En termes de viande, j'ai pris deux hamburgers de bœuf. J'ai jamais pris chez Aldi les viandes. Chez Reman, oui, mais pas chez Aldi même. Donc écoutez, à tester. Je ne sais pas, je ne vais pas avoir d'a priori. Donc on verra bien. Donc j'ai pris deux petits steaks comme ça. On verra ce que ça vaut. Ensuite, j'ai pris... Ah, comment ça s'appelle encore? Ce sont des petites viennoiseries avec des noix de pécan en fait. Il n'y en a que chez Aldi. Et quand j'y vais, bah, à chaque fois, j'en prends. Et cette fois-ci, ils les ont fait en plus petit. D'habitude, elles sont plus longues. Et je trouve que c'est mieux, d'ailleurs. Voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris des dupes de chez Activia.
Actimel ou Activia, je ne sais plus. Donc c'est de la marque de chez Aldi. Donc voilà, j'ai repris ça. Je me dis pourquoi pas. Moi, j'adore de toute façon tout ce qui est à base de lait, yaourt et tout ça. Enfin, c'est ma vie, quoi. Et j'ai pris ceux à la fraise. Il y avait nature, mais j'ai opté pour la fraise. Donc écoutez, à voir. Je ne sais pas. J'ai jamais testé. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai repris mon fromage aux fines herbes. J'aime beaucoup parce que c'est un fromage qui est mousseux, en fait. Franchement, c'est trop bon, vraiment trop trop bon ça. Et ça, enfin, moi les fromages, je les tue en 2-2. Donc voilà, j'ai repris ça. Toujours fromage, j'ai pris, c'est un peu le dupe du Caprice des Dieux. Donc c'est le petit pré, double crème. Mon Dieu, celui-là. Je n'ai pas les mots. Toujours en fromage, j'ai pris brie. Mais cette fois-ci, j'ai pris la version light. Donc, je ne sais pas. Je vais voir un peu ce qui est la différence. Donc, c'est le coq de France. Donc, voilà. Moi et les fromages, il n'y a que ça, en fait, dans le frigo. Hein. Je ne suis pas très charcuterie, déjà. Et pour terminer, j'ai pris des tranches de cheddar. Franchement, celui-là, il fait vraiment très, très bien l'affaire. Il est vraiment très bon. Il y en a 10 à l'intérieur. Et pour faire les sauces de cheddar ou même dans des croque-monsieur, ça passe toujours très, très bien. Alors ensuite j'ai repris, je vais faire les gaufres, j'ai repris des petites gaufres comme ça, j'en avais envie, donc c'est des petites gaufres simples avec un petit peu de sucre dessus, franchement j'aime beaucoup, il y en a deux à l'intérieur à chaque fois donc c'est cool, et j'ai repris les gaufres de Liège donc avec les morceaux de sucre, franchement elles sont bien, c'est de la marque Valérie, donc ça ce sont les petites gougouilles. J'ai repris mes petits yaourts avec le muesli au-dessus. Franchement, ça c'est très bien quand je fais le matin. Ça passe, donc j'ai pris ceux au chocolat. Ceux aux fruits, ils sont pas mauvais, mais j'ai quand même une préférence pour ceux-là. J'ai repris des recharges pour mon rasoir. Voilà, c'est ceux-là. Ça me va très bien. J'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, j'ai repris ça. Et franchement, je vais assez longtemps avec. Donc j'ai rien à redire. Ensuite, il y avait ceci. Donc, ce sont des chiffons multi-usages. Il y en a 5 à l'intérieur et ils étaient en promo. Donc, on n'en a jamais assez des chiffons. Donc, j'en ai repris aussi. J'ai pris un gel douche pour Monsieur Tahiti Tropique, Bois de Tropique. Je vais arriver. Ils sont vraiment très très bons celui-là. Donc, ça, c'est pour Monsieur. Et alors, en termes de sorbons, j'ai repris d'abord ceci. Les bâtonnets parfumés. Celui-là, franchement, il sent très très bon. J'en avais pris un chez Action et franchement, il sent rien du tout. Clairement, il sent rien. Donc, bon, je le laisse terminer. Et puis, je mettrai celui-ci. Donc, moi, je le mets dans mon hall d'entrée. Et franchement, ça sent très très bon. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore que ma maison sente bon. Donc, il y a vraiment des diffuseurs, mais partout. C'est un truc de ouf. Bref. Donc, j'ai pris celui-ci. Je sais qu'il y a aussi citronnelle et rose, je crois, mais mon préféré c'est celui-là, donc j'ai pris ça. Et alors, il y avait ça qui est revenu, ce sont des petits coussins parfumés pour mettre dans les placards ou ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris senteur vanille, il y en a 6 à l'intérieur, et j'ai pris la senteur, c'est quoi, fleur de lin, voilà, pareil, 6 à l'intérieur, et c'était au prix de, je crois, 1,90 € ou 2 euros, je ne sais plus. Et moi, je m'en sers aussi pour en mettre un dans mon casier au boulot. Comme ça, au moins, mon casier sent bon. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai repris des petites miches là, des petits pains comme ceci là au lait. Ça me va très bien ça. Vu que je suis là pour le moment toute seule, moi ça me va quoi. Ça sert à rien que je prenne du pain. Le trois quarts du temps, il faut que je le jette ou quoi. Et non, donc je préfère opter pour ça. Ensuite, j'ai repris deux petites bouteilles d'eau pétillante comme ça, saveur citron. Pareil, j'ai jamais testé les eaux pétillantes de chez Lidl. Aldi, pardon. Lidl, Aldi. Donc, à tester. Et j'ai repris deux petites canettes comme ça, donc la sous-marque de Ice Tea, qui est très bien. Franchement, j'aime encore bien. Donc, j'en ai pris que deux. Et donc, voilà. Et j'en ai eu pour un total de 50 euros. Voilà. Du coup, je vais ranger tout ça, préparer les petites affaires que j'ai à donner à ma mère. Et puis, je vais donc aller chez ma mère parce que je dois lui faire sa retouche des ongles. Et après, je ne sais pas, je vais voir. Il faudra que je donne ça
à la petite de mon compagnon. En fait, chez Aldi, quand on dépasse une tranche de 15 euros, je crois, on a des petits emojis comme ça. Et en fait, c'est pour faire la collection. Et j'en ai eu pas mal, en fait. Vu que j'ai été là la semaine dernière et là aujourd'hui, plus ma mère. Ma mère me les a donnés pour la petite, du coup. Donc voilà, elle aura un petit paquet. Et je sais bien que les enfants, ils aiment bien. Donc voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et puis on se retrouve bah, plus tard, du coup. Blue? Ah si. Ah si. Descends. Descends du divan avec ça. Descends. Tout de suite. On se retrouve, on est plusieurs jours plus tard en fait. Je crois qu'on est, je sais plus quand j'ai filmé, je crois que c'était jeudi, oui, et on est samedi. Voilà, j'ai complètement oublié de clôturer. Ça m'a complètement en fait en voyant les rushs, je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé. Voilà, donc je crois qu'on s'est laissé sur les ongles de ma maman. Oui. Ensuite, je n'ai rien fait de particulier. On a discuté d'une chose et d'autre. Enfin, voilà, on a chillé ensemble avec ma mère. Donc voilà, je n'ai plus filmé. Et puis je suis rentrée. Hier, j'ai fait ma journée. Donc aujourd'hui, on est samedi, comme je vous ai dit. Il fait un temps pourri. Voilà. On adore l'automne. J'ai déjà été au sport parce qu'il est, il va être midi presque. Donc j'ai déjà été au sport le matin avec ma meilleure amie et ce week-end moi je travaille, je fais le tard, enfin l'entre-deux je vais dire. Donc je suis rentrée du sport, je me suis lavée, je me suis juste un petit peu rafraîchie le visage. Je ne suis pas maquillée hormis mes sourcils que il faut que je les fasse parce que c'est une catastrophe, voilà, enfin c'est... Bref, il faut que je les épile, je suis pas quelqu'un qui les épile très régulièrement, mais là il faut vraiment, et puis il faut que je les retaigne aussi. Et puis voilà, donc j'étais en train de faire le montage, et comme je vous ai dit, je me rendais compte que je n'avais pas clôturé, donc je vais clôturer ici le petit mini vlog improvisé. J'espère que ça vous aura plu, donc il n'y avait rien d'extraordinaire, mais j'aime bien de temps en temps vous prendre comme ça et bah, blablater avec vous. Donc voilà, sur ce, on se retrouve sur les réseaux sociaux, les gars. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur TikTok. Tout est en barre d'infos. Si j'y pense, j'y mettrai ici, sur la caméra, ici, quoi. Sur l'écran, je vais y arriver. Pff. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!